Et du même coup, moi aussi je filme, et photo. C'est normal. Moi j'ai travaillé dans ce milieu-là, dans une autre vie. Dans une autre vie. Mais parlons, M. Breton, de celle à laquelle vous êtes présentement. Oui. Vous avez laissé entendre différents médias récemment que votre position était peut-être un peu différente de celle de... Vous êtes un média? Moi, je suis un média, 99%. Et également, je travaille, comme vous le savez, au site web de Québec solidaire. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question, M. Breton. Donc, vous faites de la politique partisane aussi? Je fais de la politique partisane également. Okay, c'est bon. Pas de problème avec ça. Non, je comprends. Alors, la question était la suivante. M. Breton, vous avez déclaré récemment que votre position serait peut-être différente de celle du gouvernement pour lequel vous êtes présentement un représentant élu, un député. Ouais. Est-ce que peut-on savoir les divergences que vous avez, s'il y en a avec le Non, je ne peux pas savoir parce que je suis en train de travailler là-dessus. Vous travaillez là-dessus? Et ça va sortir la semaine prochaine. OK. C'est clair. Il n'y a pas de grande ligne générale? Non. Ben, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit mardi en arrivant à l'Assemblée nationale, parce que les journalistes me demandaient êtes-vous pour, êtes-vous contre? Oui. Puis j'ai dit que je n'étais pas pour expliquer dans un scrum un dossier complexe comme Anticosti de pétrole. Et c'est exactement la même chose que je vais répondre ici aujourd'hui. Justement, je suis en train de faire cette réflexion-là. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler là-dessus avec vous. D'accord. Ça, moi, comme je vous ai dit, je vous avais les salutations de mon père à mon côté. Il voulait juste vous envoyer un message parce que vous aviez dit il y a quelques temps que vous aviez oublié que c'était le vol du siècle, Anticosti. Ouais. Alors, il vous répond que ce serait plutôt le viol du siècle. OK. Voilà. Puis, on aimerait ça. Ben, c'est sûr, vous avez dit que vous ne pouviez pas vraiment parler de ça comme tel, mais... On se demande, on est beaucoup à se demander qu'est-ce que vous faites encore avec le Parti québécois, parce que ça va un petit peu à l'encontre de toutes les manifestations auxquelles vous avez pris parti depuis longtemps. OK. Voilà. Ben, si je fais avec le Parti québécois, c'est parce qu'il y a beaucoup de dossiers en environnement que j'ai regardé de faire avancer au sein du Parti québécois, que ce soit l'amiante, que ce soit le BAP sur l'uranium, que ce soit de changer la direction du BAP. Je ne sais pas si vous avez vu hier la décision du BAP sur la mine Arnaud. Mm-hmm. Mais ça, c'est une conséquence directe du fait que j'ai changé de président puis de vice-président du BAP, parce que le BAP était devenu rubber stamp depuis des années, vous le savez. J'ai fait avancer le dossier d'électrification des transports. J'ai fait avancer avec Sylvain Gaudreau le dossier du transport collectif et les voies réservées. Fait que je considère qu'en 18 mois, j'ai réussi à faire avancer plus de dossiers en environnement que j'en ai fait en 15 ans comme militant. C'est sûr que c'est pas parfait, et le dossier du pétrole, c'est un dossier complexe, et c'est un dossier pour lequel, regardez, là, c'est certain que ce n'est pas un dossier évident. Okay? Mais de dire pourquoi est-ce que je suis encore parti québécois, je vois pas avec quel autre parti j'aurais pu faire ça. C'est aussi simple que ça. Non. De toute façon, je connais bien votre père, puis je respecte beaucoup votre père. Pour la divergence d'opinion, pas des fois, on s'est parlé de façon très crue, très directe, au téléphone ou face à face. Ben, je veux dire, c'est pour ça que la réflexion, ce sur quoi je suis en train de travailler, tu sais, la réflexion que j'ai faite depuis des années, c'est une réflexion qui est complexe. Et c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de ne pas sortir de façon précipitée et de poursuivre la réflexion. Justement, quand je vais sortir la semaine prochaine, ben, les gens vont comprendre ce que j'ai en tête et tenir à bout de ça, c'est tout. Moi, je pense que, vous savez, les médias et... Tu sais, je ne veux pas vous insulter, là. Mais la plupart des médias en général sont dans l'impression, sont dans l'émotion, sont dans l'instant, sont dans le spectacle. Et ça m'énerve profondément. Et c'est pour ça que je vais aller de façon plus, plus posée. Je sais qu'être posé et faire preuve de nuance, c'est pas tellement la mode ces temps-ci. Vous pensez que Pauline Marois va vous laisser faire preuve de nuance dans ce dossier-là? Parce qu'elle semble assez convaincue de vendre du pétrole québécois. Moi, j'aurais de la misère à me regarder. Ça ne vous arrive pas des fois de vous regarder dans le miroir et de dire « Je suis-tu en train de me mentir en pleine face du monde et faire de la communication politique en ce moment? » Je ne suis pas capable de comprendre que vous vous regardez dans le miroir et vous n'êtes pas en train de vous dire que vous êtes en train de mentir en pleine face sur des choses que vous avez défendues pendant des années. Je peux comprendre les gens qui n'ont pas défendu ces dossiers-là, mais vous me dites vraiment que le pétrole sale d'Anticosti, ça n'a aucun impact au Québec sur l'environnement, sur les générations futures. Est-ce que vous m'avez entendu dire ça?
Mais si vous seriez conséquent, vous m'en dites, ce que j'aimerais, c'est que vous me dites, je me présente comme candidat indépendant aux prochaines élections, je ne peux vivre avec cette décision du Parti québécois, parce que ça n'a aucune... Vous n'avez plus de crédibilité. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens autour qui vont se dire, mais c'est qui, ça ne marche pas. Là. Il nous a dit des années que le gaz de schiste n'était pas loin, puis le pétrole s'est rendu correct, c'est à nous. Même pas juste à nous, en partenariat, en plus. En fait, vous présumez de ce que je veux dire, et vous ne semblez pas savoir ce que j'ai dit dans le passé. Moi, je viens ici, entre autres, parce que j'espère vous convaincre de vous présenter indépendant puis de dire aux gens que c'est une vraie farce, la politique écologique du Parti québécois actuellement. Okay. C'est pour ça que je viens ici, parce que j'ai encore confiance que vous avez peut-être certaines valeurs écologistes que vous avez défendues dans le passé. J'entends votre message. Et c'est pour ça que je travaille sur des dossiers depuis tant d'années et que les convictions que j'avais, j'ai encore les mêmes convictions. Et les gens qui me connaissent bien savent que j'ai les mêmes convictions. Mais ça doit être donc, difficile avec le Parti québécois d'avoir encore vos convictions parce que... Non, c'est pas difficile en fait. En fait, c'est pas difficile parce que mes convictions restent les mêmes. OK? Et qu'il y a des choses au sein du Parti québécois que j'ai réussi à faire avancer. OK? Le dossier Rabaska, là, puis le dossier d'amiante, là, je peux vous dire, là, c'est pas mal grâce à moi qu'on a réussi à faire en sorte d'arrêter ces projets-là. Mais là, vous nous parlez de ça pour nous endormir. Nous, on parle du pétrole. Je ne parle pas de ça pour vous endormir. Vous me dites, pourquoi est-ce que vous êtes au Parti québécois? Je vous dis qu'il y a des choses au Parti québécois que j'ai réussi à faire avancer. Et le dossier du pétrole, c'est un dossier très complexe. Et c'est pour ça que, justement, je travaille sur cette réflexion-là et que la semaine prochaine, vous allez entendre le fruit de ma réflexion. Est-ce qu'il y a une date de cet été, la semaine? En tout respect, je veux dire, c'est que vous présumez de ma bonne ou de ma mauvaise foi. Non, je vous dis juste que... Si vous voulez être conséquent, j'espère que vous ne restez pas avec le Parti québécois. Je suis conséquent. Je suis conséquent. C'est ce que vous pensez. C'est votre façon de voir notre conséquence, là. Oui. Mais je sais ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit au fil des ans. J'espère que quand vous allez le faire à croire que c'est mieux du pétrole du Québec, que d'ailleurs, vous allez vous pratiquer dans le miroir avant. Bon, comment nous le dire sans sourire? Ouais. Mais en fait, ce que vous dites là, OK, j'entends ce que vous dites, OK, mais ce que vous dites là, c'est de présumer que je suis une mauvaise foi. Comme qu'est-ce que le Parti québécois veut faire pour arrêter les hausses de tarifs des transports en commun à Montréal? Si c'est une priorité, la transition vers moins d'utilisation de pétrole au Québec, pourquoi il augmente encore les tarifs partout au Québec du transport en commun? Vous parlez d'une transition écologique des transports en commun, mais comment... Vous avez vu qu'on a investi 1 milliard de plus dans les transports collectifs. C'est de l'argent qu'on a enlevé aux routes. Est-ce que vous avez vu les titres le lendemain dans le journal? C'était pas marqué plus d'argent pour le transport collectif. C'était marqué on enlève de l'argent pour les routes et on met la vie des gens en danger. C'est marqué ça dans la presse et dans le Journal de Montréal. Vrai ou faux? Dans la presse aussi, c'est marqué ça. On peut admettre, M. Breton, qu'effectivement, au lendemain d'annonce, les médias dont vous parliez tout à l'heure, les médias sociaux qui disaient à peu près n'importe quoi, on peut en dire autant des médias dans la presse, les métropoles. Ça, c'est l'euphémisme de la journée. Mais la question que je voulais vous poser, M. Breton, est-ce que vous pensez que la position de votre parti a évolué au cours du temps? Au cours des dernières années sur la question du pétrole, sur la question écologique et énergétique. Ah, ça, c'est clair. C'est clair? C'est très positivement clair. Ou négativement? Positivement. Positivement. Donc, j'imagine que votre réflexion va porter sur ce côté positif. Non, ça, vous ne pouvez pas présumer de okay. ce que je veux dire. Donc, vous dites que c'est mardi prochain, on va avoir le plaisir de vous entendre. Ah, je ne sais pas si ça va être lundi, mardi ou mercredi, là, mais ça va être autour de là. Là, on est en train de tout attacher ça. Il va y avoir un point de presse. Je vous dis pas sur quelle forme ça va être. Okay. Non, mais écoutez, ça ne donne rien de vous raconter des histoires. Là, c'est ça. La réalité, c'est que je travaille sur le dossier, j'y travaille de façon très sérieuse depuis des années. Et c'est pour ça, justement, que je veux faire en sorte d'amener ce débat-là face aux Québécois. Parfait, M. Mecon, je vous remercie. C'est bon? J'ai une question qui rejoint celle de madame par rapport au transport collectif. Ouais. On apprenait, vous êtes le délégué à l'électrification des transports, vous faites avancer ce dossier-là. Ouais. Mais d'un autre côté, on apprend que Hydro-Québec coupe le tarif préférentiel de la STM pour le métro de Montréal. Oui. Vous allez me demander si c'est cohérent, la réponse est non. Fait que c'est pour ça qu'on parle avec Hydro-Québec pour essayer d'arranger ça. On travaille là-dessus, ça c'est clair. Puis, est-ce que vous avez des discussions avec Hydro-Québec aussi au sujet d'un petit projet hydroélectrique qui sont déficitaires en ce moment sur la côte nord, pour lesquels il n'y aura plus d'achat? Je parle du projet Ronem. Oui, oui, bien ça, j'ai... Mais excusez-moi. Oui, écoute, le projet de la Romaine,
regarde, je ne travaille pas sur le projet de la Renault, j'en ai déjà plein des baskets avec les questions de transport. Je vais quand même entendre votre position. Mais ma position, je vais t'avouer là, que dernièrement, je ne me suis pas penché du tout sur le dossier de la Renault, justement parce que je me promène sur le dossier des questions de transport et que là, justement, je travaille sur le dossier d'Anticosti. Si on se reparle de la Renault, on se reparle à un autre moment donné, je vais me repencher sur le dossier sur lequel je ne me suis pas penché depuis quelques années. À un moment donné, j'ai juste 24 ans. En fait, il semble que c'est un projet qui va de l'avant juste par une sorte d'inertie maintenant. Ça a été lancé par les libéraux. Ouais. Puis en ce moment, bon, c'est quoi, ça? Les alumineries pour lesquelles ça avait été prévu au départ, entre autres, ces alumineries-là, il ne semble pas qu'ils vont prendre de l'expansion. C'est ça, l'aluminerie Alouette à Sept-Îles avait annoncé qu'elle prendrait une expansion. Le gouvernement Charest avait promis le tiers de l'énergie du complexe romain pour faire ça. Mais là, récemment, vous savez comme moi que les alumineries ont fait une grosse sortie comme quoi ils ne voulaient même pas essentiellement perdre leur tarif super préférentiel qu'ils ont déjà. Donc, ça semble... En fait, le marché d'aluminium partout dans le monde va mal. Bon, ben c'est ça. Donc, il y a vraiment... on ne peut pas trop envisager où c'était. Mais ta question est pertinente. Tu as absolument raison. Tu sais, puis avec les... Avec l'électrification des transports, ça ne demande pas tant d'énergie que ça. Donc, c'est une question sur laquelle il faut se pencher. Je suis d'accord avec toi. Je suis content qu'on s'entende sur ce point-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas une demande. Puis oui, avec le marché aussi aux États-Unis, qui est un... Ben, en fait, les prix de l'électricité à cause du développement des gaz de schiste qui sont comme assez bas, ça va être assez impossible de vendre ça aussi à l'extérieur. En fait, le premier qui a souligné ça au Québec, c'est marrant. Que la compétition des gaz de schiste nuisait à l'exportation de l'électricité de façon profitable. Ouais, donc, j'entends bien ce que tu dis. Donc, à ce moment-là, tant qu'à saccager une rivière pour rien, l'idée, c'est ça. Écoute, tu sais, parce que ça a l'air niaiseux comme ça, là, mais c'est parce que, outre le dossier d'électrification et transport, outre Anticosti, qui est un dossier important pour moi, aussi dossier de comté sur lequel il faut que je m'occupe, fait que ça me demande énormément de temps. Fait que c'est pour ça que la Romaine, je ne suis pas penché depuis une couple d'années. Mais c'est ça la réalité. Oui, tu m'en lances. Je suis ouvert à ça. Fais-moi. C'était par rapport à l'électrification des transports et les modifications au projet Turcot. Je voulais savoir, est-ce que le Parti québécois a changé des choses du projet Turcot du Parti libéral? Parce que, en tout cas, c'était complètement insatisfaisant pour une vraie transition énergétique. Ouais. Je voulais savoir là-dessus, qu'est-ce qu'il y avait fait. En fait, il y a une chose, ça c'est une bonne question, puis en fait, j'ai une bonne réponse parce que. Une chose qui est passée complètement sous le radar et qui m'a vraiment estomaqué, parce que quand Sylvain Gaudreau a annoncé le nouveau projet Turcot, il y a une chose qu'il a dit qu'aucun journaliste traditionnel a retenu. Aucun. Okay? Ce qu'il a annoncé, et ça c'est suite à mes recommandations, parce qu'on disait, bien là, au niveau de l'infrastructure, c'est déjà pas mal avancé. Fait que, de façon pendulaire, sais-tu ce que ça veut dire, pendulaire? Okay? C'est que le matin, les gens partent d'un endroit, vont dans le centre-ville, et le soir, ils partent du centre-ville, ils vont vers chez eux. Okay. C'est ça, pendulaire, du transport pendulaire. Donc, ce qu'on a annoncé, c'est que dans le nouveau projet Turcot, aux heures de pointe, ça veut dire le matin de la banlieue vers le centre-ville et le soir du centre-ville vers la banlieue, que les voies, ce serait deux personnes par voiture sur toutes les voies. Okay. Or, présentement, c'est 1,2 personnes par voiture. Ça veut dire qu'à l'heure de pointe, tu auras une diminution de 40% de la circulation en obligeant les gens à se promener à deux par voiture. Donc, une diminution de 40% du nombre de véhicules, c'est une diminution de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Juste cette annonce-là qui est complètement passée en dessous du radar et qu'aucun média n'a rapporté et qui était pourtant notre discours du ministre, ça, c'est déjà, à mon avis, une différence majeure. Là, il faut ajouter à ça le transport collectif. J'ai une question. Il y a des voies réservées, mais est-ce que si on va par une électrification des transports, elles vont être adaptées ou il va falloir tout recommencer? Parce que tant qu'à faire des infrastructures, ça va. Non. Pour l'électrification des transports, tu n'as pas besoin d'adapter les voies. Et là, on travaille, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un projet qui s'appelle Nomade. C'est un projet de covoiturage et d'autopartage d'un véhicule qui serait électrique. Et là, sur lequel, ça, sur quoi on est en train de travailler, c'est pour faire en sorte que ben, les gens à la banlieue et dans le centre-ville puissent, en covoiturage, par autopartage, embarquer, tu sais, devenir client de ces flottes de véhicules-là. Et qu'en véhicule électrique, autopartage, ils puissent aller centre-ville vers Montréal, Montréal vers centre-ville. Ça fait partie des projets d'électrification et transport sur lesquels on travaille. À part des projets de transport collectif, d'électrification des transports, de biberonnage, de rechange rapide là, pour les autobus. J'avais écouté. Oui, bien, en fait, c'est par rapport à l'électrification des transports aussi. Il y a un enjeu qui est quand même un peu méconnu. Je ne sais pas si on a porté à votre attention le dossier du lac Kipawa. Le lac Kipawa, non? Il va y avoir, en fait, l'exploitation de.
de terres rares. Pour fabriquer des voitures électriques, justement. Ouais. Ça, c'est un processus qui est extrêmement polluant. Présentement, il n'y a même pas de BAP sur le projet. Puis là, je n'ai pas tous les menus détails sur le projet, mais on a quand même parlé en longueur. Là, il va y avoir des BAP qui s'en viennent sur ces projets-là. J'espère que... Et maintenant que le BAP a retrouvé sa crédibilité, n'est plus que rubber stamp, ça change tout le temps. Depuis quand? En fait, depuis que j'ai changé le président et le vice-président du BAP l'automne passé, quand j'étais ministre, c'est pourquoi on a dit que j'étais manicœur. Moi, là-dessus, il faut que j'y aille parce que je retourne travailler. Mais la semaine prochaine, si besoin est, vous allez voir ma sortie, puis vous avez des commentaires, des questions, puis moi, ça me fait plaisir de vous parler. Alors, M. Breton, les médias sociaux vous remercient de nous avoir reçus, ainsi que plusieurs militants, militantes écologiques. Ça me fait plaisir. Et on espère qu'à la prochaine fois, on pourra être aussi bien reçus. Écoutez, j'ai fait tellement de manif moi-même que j'avais mal placé de mal accueillir les manifestants. On vous remercie, monsieur. On peut témoigner de ça. Ceux qui sont intéressés de nous suivre à l'autre place. Oui. Oui, ben s'il y a quelque chose, on est tu. Oui, il y avait vraiment un orage pour c'est vrai, ben, supposément, il était là vers midi. C'est pas le jeune homme qui était assis là? Vous êtes 99 médias pour ouais, manger. C'était moi, c'était le général. 90... Ouais, attends un peu, on m'a donné ma carte. Ouais, ça va. C'est moi, ça. Ouais. Bon, c'est un sac à dos, ouais. Merci. Monsieur, vous êtes mon nom. Handicap Bruce Barry. Handicap Bruce Barry. Je salue à François Paramir de ma part. Oui, ben, je mangerai pas. Merci. Ce soir, justement. Ok. Tiens. Ça marche plus, ça? Oui, c'est ça. Je peux pas aller, là. Le reste, on t'en vient de suivre, ou... Hop là. On se rend en route. Est-ce qu'elle est ici? On est rentré là, on sort là, pas pire ça. Il se devait de répondre à... Ah, oh, ben oui! Tu vois, il a fait ça, pas pour les médias traditionnels, mais pour nous autres. Et... Mais c'est bon! OK, ben oui! Ça, c'est vidéo. Moi, je vous le dis tout de suite, là, je sors ça en intégrale. Hein. Ben, moi aussi. Magnifique, moi, je veux avoir une copie de quelque chose. Ben, tu me donnes ça, tu vas voir, tantôt, on en parlera. Oui. Je peux te donner un livre. Es-tu à pied, toi? Oui, je suis à pied. Attends une seconde, là, m'arrêter ça. Parce que...